Bonjour tout le monde, c'est Flifix. C'est avant la présentation du pack, je voulais juste vous faire part des commentaires qu'il y a eu sur le troll du Flifix Ultimate 2D Pack Leak by Cruz. Donc le troll que j'ai fait avec Cruz, c'est impitoyable, les gars. C'est juste impitoyable à quel point vous voulez le pack. Vous n'êtes même pas foutu d'aider un petit peu le créateur. Moi qui ai eu 2 semaines de travail pour essayer de vous faire un peu plaisir, vous essayez de tout gâcher. Franchement, c'est pour ça que cette communauté ira jamais loin. Même pour quelqu'un qui essaye de vous aider, qui a toujours fait des particle spike free pour vous aider. Vous essayez quand même d'avoir mes packs free. Vous essayez quand même de faire ce genre de trucs. Et même pas vous donner le pack, vous dites déjà merci. C'est bon, vous avez pas de vie. Mais le pire, les gars, et celui-là, je veux vraiment le niquer parce que ça fait longtemps. Les deux refs, dans la vidéo de Croz, il a dit ouais, ça se fait pas. Et après, 2 semaines, enfin 2 jours après, les deux refs est allé demander à un des personnes qui a acheté l'Ultimate Pack, lui demander le pack free. Donc en fait, il dit que c'est pas bien de leak, mais juste après, il demande le pack free. C'est bien. C'est vraiment bien, les deux refs. Hein. Bravo pour cette maturité de merde. Vraiment, bravo. Et à tous ceux qui ont cru que le pack serait free, plus maintenant. Franchement, avant, j'avais envie de faire une petite version, tu vois, free. Après ça, je pense pas que je la ferai. Vous êtes des cancers. Vous êtes même pas foutu d'aller sur YouTube chercher un peu. Vous êtes même pas foutu de aider un petit peu le créateur qui a eu 2 semaines de travail là-dessus. C'est parti. Présentation du pack 1.3. Bon les gars, juste allez vous abonner à la chaîne de Croz s'il vous plaît les gars, parce que c'est lui qui a fait le troll. C'est lui qui s'est pris masse dislike et masse désabo à cause de ça. Donc juste pour que je fasse cette merde en fait. Même si l'idée de base était à lui, je veux quand même que vous allez lui donner une force sur sa chaîne. Donc vraiment, allez vous abonner à la chaîne de Croz. Parce que sans lui, cela ne serait pas possible. Encore une fois, merci Croz. Je t'aime. Bonjour tout le monde, c'est FlayFX, welcome to back. Pour la présentation du FlayFX Ultimate Duty Pack. Bon les gars, on va présenter la version 1.3. Malheureusement, elle n'est pas encore sortie pour ceux qui ont la... Pour ceux qui ont After Effects en anglais, mais je pense que la version en française concerne la plupart d'entre vous. Donc c'est parti, on va le démarrer, le Ultimate Flex du pack. Dans la version française, c'est parti, 3, 2, 1. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce magnifique extrême pack. Bon, c'est parti les gars, je viens de démarrer After Effects, je n'ai rien fait. Comme ça, vous avez vraiment tout depuis le début. Bon, menu d'accueil qui a du coup été modifié, donc qui est un peu plus beau maintenant. Maintenant, on va tout de suite commencer par changer la mascotte. Je pense que ça, vous savez le faire. Je vais mettre vraiment une musique au bol. Je sais même vraiment pas quelle musique c'est. Et je vais changer la mascotte juste histoire de au moins avoir une mascotte. Donc, c'est parti. On va juste. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai mis le son et la musique. Bon, vous l'entendez peut-être pas, hein. Je pense pas que vous l'entendez, mais croyez-moi, le son est là. Bon, les gars, du coup, pour Ultimate Pack, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, on va commencer par le Circle, qui a eu beaucoup de changements. Une nouvelle composition appelée Circle est maintenant disponible. Vous pouvez customiser à 100% votre Circle. Vous pouvez mettre des fonds animés, donc tous les fonds qu'il y a de base. Dans le nouveau style 2D, ils y sont. Vous pouvez changer le color control, donc des petites bordures et l'intérieur du cercle. Donc ça, c'est comme d'habitude. Le color que putain, pardon, le balance color y est toujours. Le contour, vous pouvez mettre soit plus gros, soit plus petit. Le custom circle, vous avez un custom circle rainbow et un transparent pour que simplement on puisse voir derrière l'intro. Non, je peux vous montrer ça. Voilà, donc derrière là, en fait, c'est transparent. Vous avez le nombre de cercles. Donc, par exemple, là, si je désactive ça, on aura par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on voit intérieur max 5. Si je mets 6, ça ne marchera plus. Nouveauté sur le texte. On peut maintenant mettre le texte. Enfin, le carré du texte. On peut le mettre. Enfin, on peut le customiser en couleur maintenant. On peut mettre ce qu'on veut. Ce qui est bah, aussi une très bonne nouveauté, je pense. Donc, on peut vraiment le custom. On peut mettre un texte rainbow et le texte en blanc. Avant, on pouvait pas mettre le texte en blanc. Donc, ça, c'est aussi une nouvelle. Enfin, une bonne nouveauté.
Encore, on peut changer la couleur, ça on pouvait déjà. Et je crois que c'est tout. Maintenant, voilà. Maintenant sur Ultimate Pack, on a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Je vais juste mettre non. Alors on a les fonds animés New Style, donc qui sont disponibles maintenant. Donc tous les Donc les new fonds New Style sont maintenant disponibles. Donc on a quelques petits Vipple faits par Vipple quoi. Donc là on a les petits fonds, les nouveaux fonds que tout le monde aime et tout ça. Ça fait plaisir. On a du coup les particules en triangle. On a une animation de plus. Je pense que vous l'avez déjà vu sur sur mes intros. Et on peut aussi modifier la taille de la mascotte. Avant on pouvait pas, donc maintenant on peut. On a les effets drop. Donc on a la composition optique qui fait simplement le petit effet optique quoi. Je vais juste comme ça faire un petit prévu. Donc voilà la composition optique avec la toute nouvelle animation qui après en gros voilà, après il y a le cercle qui va arriver, donc ça c'est une toute nouvelle animation. Ça c'est toujours inconsidérable de mettre à 100, mais normalement je le mets à 80 parce que je l'aime bien, enfin à 80 comme vous dites. Maintenant on a du coup autre effet, il n'y a rien de spécial. Effets principaux non plus, transition non plus, color contrôle non plus. CC il y en a deux, donc il y a celui-là, celui-là et celui-là de nouveau, donc 3. Il y a les animations bordure que je vais pas vous montrer, mais en gros si je vous montre juste à une, en fait ça fera par exemple au début ça s'ouvre, après ou drop ça va totalement se fermer. Et après ça va s'ouvrir et à la fin ça va se fermer. Enfin c'est des petites animations de bordure, enfin de motion tail simple hein. Là normal reste bloqué à 80, donc voilà. On a maintenant les animations de caméra que vous avez déjà vu sûrement sur mes intros. Si vous avez pas vu, allez voir ma chaîne. Mais en gros c'est des animations de caméra que j'utilise sur beaucoup de mes intros. Donc là par exemple ça tourne, ça fait une petite animation tournante etc. Donc voilà, ça tourne, c'est sympa. Et on a aussi, attention, le Fléfix Ultimate Style. Donc là, c'est le style privé que j'utilise moi. Enfin, mon style privé, quoi. Avec mon CC et mon fond privé. Donc là, vraiment, vous avez tout. Toujours, on peut toujours changer donc le circle. Celui-là, maintenant, on peut changer. Avant, on pouvait pas. Maintenant, on peut au moins le changer. Donc je pense que c'est déjà une bonne nouveauté, je pense, de pouvoir changer ce circle. Donc voilà les gars, c'est tout pour la présentation du 1.3. Les gars, si vous n'avez pas vu et si vous ne connaissez pas le pack, allez voir la présentation initiale du pack parce que sans elle, vous n'allez rien comprendre. Et surtout que vous allez trouver le pack inutile si vous n'avez pas vu la 1.0. Donc les gars, allez checker la version 1.0 qui sera en description. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, c'était Fléfix.